Bonjour aux élèves et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer comment se sert d'un microscope ou vous rappeler. Donc vous mettez votre lame et vous la bloquez avec le valet. Vous allumez la lumière, vous réglez le rhéostat. À partir de là, vous vous servez des vis qui font bouger le plateau et la lame. Et pour régler la netteté de l'image, vous vous servez de la vis macroscopique, la macrovis, pardon, qui fait le réglage rapide. Il ne faut pas avoir peur et là vous pouvez y aller, tourner rapidement, vous ne pourrez pas casser la lame. C'est impossible au petit grossissement. Une fois que vous avez une image nette, vous passez grâce au revolver à objectif au second grossissement. De la même manière, là normalement si le travail était bien fait, vous avez un tout petit réglage à faire. Si vous devez passer au troisième grossissement, bien vérifier que l'objectif passe. Tournez délicatement. Si vous voyez que ça va toucher, vous arrêtez. Si ça passe, vous continuez. Je vous rappelle qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le droit de vous servir de la vis macro, mais que de la microvis. Et dans le sens de la descente. Pour finir, la mise au point. Une fois que l'image est nette, ne pas oublier de régler la qualité de la lumière, qui est ici, qui fait bouger le condenseur de lumière. C'est très important pour changer la qualité de l'image et modifier le contraste. Je vous rappelle que la potence est toujours vers vous. Voilà, merci.